Salut tout le monde, soyez les bienvenus sur la ZF pour un petit tuto au sujet d'un thème. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment débloquer le défi champion de Tarsis qui va vous permettre de crafter par la suite des plans de composants magistraux. Donc pour ce faire, il va falloir dans un premier temps débloquer le défi champion de Tarsis. Ce défi, il se réalise en fonction des trois factions présentes dans le jeu. Donc il y a la faction des freelancers, des arcanistes et des sentinelles. Comme vous avez pu le voir actuellement, c'est-à-dire à la sortie du jeu, pour chaque faction, vous avez trois paliers de factions à monter. Le palier 500, le palier 1500 et le palier 3000. Ainsi, en montant les trois paliers de chacune des trois factions, vous allez pouvoir débloquer des plans de composants rares, inhabituels, épiques, ainsi que des plans de consommables. Alors pour monter chacune de ces factions en question, ce n'est pas bien sorcier, il va falloir tout simplement farmer le jeu. On sait déjà que certaines activités du jeu sont susceptibles de vous donner des points de faction, comme par exemple les missions d'histoire, ou encore certaines conversations avec les personnages. On ne sait pas en revanche si cela dépend des choix que vous réalisez au cours de ces conversations. Les forteresses aussi, quoiqu'un peu longues, sont également de très bons moyens de monter votre réputation de faction. Le milestone par exemple augmentera votre réputation chez les freelancers, le temple de Scar chez les sentinelles et enfin la mine de la reine montera votre faction des arcanistes. Vous avez également certaines activités en partie libre qui vous feront gagner des points de réputation, comme par exemple ouvrir des coffres, collecter certains items ou faire des lieux cachés. Vous avez enfin deux autres options qui s'offrent à vous, comme accomplir certains défis du cortex ou réaliser des activités secondaires, certains contrats et missions d'agents notamment. Une fois que vous avez bien fermé tout ça et que vous avez atteint le palier 3000 pour chacune des trois factions, vous allez automatiquement débloquer le défi champion de Tarsis. Alors ce défi, il vous permet deux choses. Il vous permet dans un premier temps de gagner encore plus de réputation pour chaque faction et dans un second temps de débloquer la capacité de crafter des plans de composants magistraux. Donc il s'agit bien de composants et non pas d'armes, ce qui toutefois sera très utile par la suite puisque cela vous permettra d'augmenter vos personnages et de réaliser des activités de très haut niveau comme par exemple les Grands Masters 2 et 3. Alors pour crafter, bien sûr, vous aurez besoin de mettre un maximum de braise magistrale de côté, puisque pour concevoir ces composants magistraux, il vous faudra de la braise magistrale, vous l'aurez compris. Cette braise, petite information, peut également être échangée dans les boutiques en échange des pièces que vous gagnez dans le jeu. Alors pour le moment, je ne sais pas en revanche s'il sera possible de crafter par la suite des armes magistrales ou même légendaires. On sait juste que ce sont uniquement les plans de composants qui sont concernés par ce défi pour le moment. De la même manière, si le défi champion de Tarsis permet d'augmenter encore plus sa réputation, on peut éventuellement supposer qu'un autre palier nous attendrait au-delà des 3000 ou sera alors ajouté plus tard dans le jeu par exemple. Palier qui pourrait par exemple concerner le craft d'armes magistrales cette fois-ci ou encore le craft de composants légendaires, pourquoi pas. Donc ce sont des suppositions, mais peut-être que le jeu sera amené à évoluer à ce niveau-là, affaire à suivre. En attendant, pour savoir où vous en êtes dans vos trois factions, vous trouverez un poste pour chacune d'entre elles à Fort Tarsis. La faction des arcanistes se situe devant la demeure des trois Mathias, la faction des sentinelles tout en haut du fort auprès de Bryn, et enfin la faction des freelancers se trouve sur le bureau qui se trouve auprès de Faye. Donc en résumé, ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est qu'il existe trois factions. Ces trois paliers vous permettent de crafter des composants et des consommables de niveau inhabituel, rare et épique, et qu'une fois les trois paliers atteints de 3000 sur les trois factions, vous pourrez alors crafter des composants de type magistraux. Mon conseil pour terminer cette vidéo, c'est que même si vous avez atteint les paliers 3000 de chaque faction et que vous êtes maintenant en mesure de crafter des composants magistraux, continuez tout de même d'augmenter vos gains de réputation dans chacune des trois factions, dans l'éventualité où plus tard, d'autres paliers seraient amenés à être ajoutés éventuellement. J'espère que ce tuto vous a plu, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à me lâcher un gros pouce bleu si vous avez aimé, et on se retrouve très prochainement pour d'autres infos sur la ZF au sujet d'un thème. Ciao tout le monde !